Il est midi 47 et donc là ma journée va vraiment commencer. J'ai profité pour passer un temps avec ma petite boubou parce qu'aujourd'hui je suis de repos, donc ça nous fait du bien un peu de se retrouver parce que quand je travaille, elle est au centre, etc. C'est assez compliqué. Mais voilà, aujourd'hui malgré tout, j'ai quand même pas mal de petites choses à faire. Et voilà, ma plus grosse tâche du jour, c'est de ranger en fait la réserve. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout retirer. Nettoyer les étagères, tout ranger, trier ce qui est périmé, je pense qu'il doit y en avoir. Bon, ça avance pas mal, on a déjà quasiment tout retiré, il me reste ça, je vais prendre l'escabeau. Et ce qu'il y a au fond, le meuble qui était là, je l'ai viré. Et du coup, on va passer à la deuxième étape. Une fois qu'on a fini, c'est le tri de tout ce qui est alimentation. Et puis, je vais nettoyer l'étagère. Et voilà. Hello les gars, petit update, il est maintenant 16h et j'ai terminé officiellement de ranger en bas, yeah! Là, je me pose vite fait sur mon montage le temps que Lindsay range sa chambre, donc question de 15 minutes histoire d'essayer de faire un peu de découpage car il faut absolument que je termine aujourd'hui. Bon, je pense que là, il est plus que temps de défaire mes vanilles. Parce que ça ne ressemble plus à des vanilles. Et pendant que je vais défaire mes vanilles, vu que j'ai monté ma vidéo sur les États-Unis, ça m'a grave donné envie de regarder mes vlogs. So, tada! Je regarde mes vlogs à Miami. Voilà! Hello tout le monde! Bienvenue dans un nouveau vlog. C'est juste la continuité de mon vlog de hier. Que je n'ai pas clôturé. Bravo Danis. Il est 16h, je prends le vlog hyper tard. On s'est réveillé à 10h. J'ai regardé Canada et Papel. Voilà, ça, cette chose m'empêche de faire ma vie, clairement. Je voulais tout d'abord vous parler d'une application. C'est une application qui s'appelle Too Good To Go. Et c'est une application qui lutte contre le gaspillage. Donc par exemple, vous pouvez commander des paniers, c'est sous forme de panier repas. Et par exemple, à Carrefour, on commande un panier qui coûte 2,99€ et dedans ils vous mettent des fruits, des légumes, de la viande ou du poisson. Voilà, c'est soit qu'ils sont un peu abîmés, il faut les consommer tout de suite, la date de péremption arrive très vite. Donc voilà. Et aussi, ça marche dans les restaurants. Par exemple, ce midi, on a commandé 2 paniers chez un restaurant asiatique. Et en fait, c'est les restes qui restent dans le, voilà, dans les restaurants à volonté. Et pour éviter de jeter, eh ben, ils proposent des paniers. Par exemple, j'ai un hôtel qui, le matin, donne le reste des viennoiseries, le pain qu'ils n'ont pas utilisé ou qui n'ont pas été mangés. Et pour, c'est combien le matin? Attends, le matin c'est 2,49€. Et voilà. Bonjour tout le monde. Voici Lindsay. Donc là, elle est très bien guérie de sa varicelle. Tous les boutons ont bien séché. Elle est contente. Oui. Voilà, pour la petite anecdote, j'ai jamais eu de la varicelle et j'ai un peu peur. Voilà. Voilà, il fait tellement chaud, c'est juste horrible. Je me suis acheté un maillot juste avant de partir à Miami et il est juste génial. Enfin, regardez, il est comme ça. Enfin, il est top, je l'aime bien, il tient bien. Je l'ai acheté sur Amazon pour à peu près 20aine d'euros, quelque chose comme ça. Le bas,
c'est taille haute. Et sur les côtés, vous avez pareil, cette espèce de petit lacet qui rappelle le petit lacet ici. Et j'aime beaucoup. Sinon, vous pouvez mettre comme ça, ça fait un peu genre maillot une pièce, vous voyez. Là, si on colle les deux bords, ça fait bien maillot une pièce et je kiffe. Mes cheveux sont cradouilles. C'est l'air de le changer. Je pense que je vais me recoiffer ce soir. En plus, il y a l'émission Je suis une célébrité, sortez-moi de là. Ça sera parfait. Hello les gars, petit update. Je filme avec mon téléphone. J'ai fait mon shampoing et je vais aller chercher les courses avec petit Boubou. Il fait tellement chaud les gars, vous imaginez même pas à quel point. On garde tout fermé parce que la chaleur, c'est pas possible. Et voilà, course ok. En ce moment, je suis dans une phase capillaire hyper difficile car j'ai grave envie de me défriser les cheveux. Mais tout le monde autour de moi me dit que non. De nos jours, on peut prendre soin de cheveux défrisés comme de cheveux nappis. Enfin, voilà. Et ouais, j'ai envie de re-avoir les cheveux défrisés, c'est ma pulsion. J'adore mes cheveux, j'ai aucun souci avec mes cheveux. Mais voilà, j'ai envie de changer un peu, j'ai envie de voir ce que je peux faire d'autre avec mes cheveux. Dites-moi vous, ce que vous en pensez, mais... Voilà. Est-ce que vous êtes dans la peur voilà, de tout recommencer à zéro? Moi franchement, j'ai aucun souci avec ça. Ça me dérange pas du tout, je me dis que dans tous les cas, si ça me plaît pas, je coupe. Je fais une petite transition, je coupe et je relaisse pousser. Alors, je vais vous montrer les produits que je vais utiliser. Donc, je vais utiliser le Garnier Ultra Double. Bon, il est connu, hein, celui-ci. Et ensuite, un nouveau produit que j'ai reçu. Je vous en parlerai très rapidement sur Instagram quand je l'aurai testé vraiment. Là, ça fait quoi, 2 semaines que je le teste. C'est un produit qui s'appelle Secret d'Afrique. Et c'est un baume, en fait, avec 7 huiles naturelles. Et ça nourrit les cheveux. Donc c'est celui-ci. C'est solide. Bon, j'ai fini l'hydratation de mes cheveux. J'ai dû allumer une petite lumière parce que j'ai l'impression qu'on ne voyait rien du tout. Et là, mes cheveux sont hyper bien hydratés. Ça se voit, ils brillent un peu. Donc, je fais l'autre côté et on se retrouve après. Et voilà, j'ai officiellement terminé. Et là, mes cheveux sont hyper bien hydratés. J'ai déjà fait des petites sections. Donc, du coup, ce soir, lorsque je vais regarder la télé, je vais me coiffer. Je pense que je vais me faire plein de nattes ou je sais pas encore cette semaine ce que ça va être. Ou ça va être redévanie, j'en ai aucune idée. Mais voilà. Pour l'été, j'ai envie d'être coiffée, faire la coiffure protectrice comme la semaine dernière. Voilà, bon, bah je vous fais des bisous. Moi, je termine de regarder l'épisode 6 de Casa de Papel. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Ciao!